Wesh wesh canne à pêche. Aujourd'hui on se retrouve pour un concept bien sympatoche, parce qu'on va exploiter des villageois. Le principe est très simple. J'ai installé un petit datapack qui me permet de contrôler les villageois. Pour ce faire, j'aurai tout simplement besoin de leur donner une émeraude. Mon but dans cette vidéo, ça sera de créer une petite armée de villageois et d'aller péter la gueule à Ender Dragon. Chose assez importante, au fur et à mesure que la vidéo avance, je pourrai améliorer mes villageois. Et pour ce faire, je devrais crafter des émeraudes custom. A votre avis, est-ce que je vais réussir à tabasser l'Ender Dragon ou je vais pas réussir tel un gros nulos? Bah vous le saurez en regardant la vidéo. Et comme d'habitude, si vous kiffez ce que je fais, n'oubliez pas de lâcher un like, de partager et de vous abonner, ça fait toujours plaisir. Sur ce, bonne vidéo. C'est quoi cette merde? C'est quoi ce truc là? Pourquoi ça clignote de partout là? Pourquoi il y a une ombre sur le sol? Il y a un cactus là-dedans là? Non, c'est juste un truc flippant qui est sur mon Minecraft. Hein, le pire, c'est que je crois que j'ai déjà vu cette merde il y a quelques mois et vas-y, flippant, je veux pas voir. Bon, avant de commencer la vidéo, j'étais giga chaud et quand j'ai vu le spawn, bah, j'ai plus envie de faire la vidéo. Bah, me trigger les montagnes de 400 km là, qu'est-ce que je fasse? Ça paraît deg quand je vais devoir les escalader là, ça va me casser. Oh, village, let's go! Je vous jure que c'est totalement. Bon, vous avez vu le concept grâce au titre, je dois trouver un village. Et là, qu'est-ce qu'il y a? Bah, un village juste à côté de chez moi. Je vous jure que c'est aléatoire, c'est pas fait exprès, hein. C'est la première map que je génère, et puis bah, j'ai eu de la chance. Bon, on commence à côté d'un village, c'est pas du tout scripté, c'est très cool, j'adore, j'apprécie énormément. Et on va aller kidnapper les enfants des villageois pour pouvoir demander à ces villageois une rançon. Je pense que c'est une bonne idée. Bonjour, c'est Ninjax, la terreur de Minecraft. Putain, il y en a du monde ici, wesh. Un jour, on se rappellera de moi, on dira, oh, Ninjax, c'était le mec qui cassait les couilles au village. Pourquoi il y a qu'un bâton dans ce coffre? C'est quoi ce délire? Je vais le prendre, hein, je vais le prendre, hein. Mais il y a qu'un bâton, j'ai jamais vu ça de ma vie. Ils sont giga pauvres ou quoi ici là? Ah non, il y a des patates, c'est déjà un peu mieux. Ok, ici il y a du stuff, ça c'est vachement cool. Alors, comment ça fonctionne? Je suis ridicule avec du stuff en cuir, je viens de m'en rendre compte. Donc le fonctionnement, c'est très simple, une maison qui vole, ok. Parce que des trucs bizarres aujourd'hui, hein. Donc je vais pouvoir employer des villageois et ils vont finir Minecraft à ma place. Parce que voilà, j'en ai envie aujourd'hui, je suis un flemmard. Pour vous expliquer facilement, j'ai de l'argent, je donne aux villageois, ils butent le Ender Dragon pour moi. Facile. Ok, on récupère un petit peu de pierre. Oh, pourquoi? J'ai juré, je suis maudit, il se passe quoi là? Ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé ça, cette merde, hein. Sans déconner, le creeper qui sort de mon cul là. Et je parle bien de la ville, hein, pas de mon cul à moi. Bon, je voulais kidnapper hein, des gosses pour pouvoir faire une rançon, bah ils en ont pas, voilà. Comment je fais moi? Je kidnappe le chat? Bon, le chat est ici, et il y a un villageois qui a payé. Il m'a donné 64 émeraudes, et ça c'est vachement cool. On va donc pouvoir employer les villageois à notre tour. Hein. Alors je sais pas du tout comment fonctionne le datapack, mais si je te jette ça à la gueule. Non mais prenez mes émeraudes s'il vous plaît, tiens. Oh, Time Villager. Ah, c'est bon, ça fonctionne. Là, le villageois, bah maintenant il est à moi. Qu'est-ce que je peux faire avec toi là? Tu sers à quoi? Tiens, une torche. Oh, what the fuck? Mais qu'est-ce qu'il fait? What the fuck? Mais qu'est-ce qu'il fait? Il est complètement fou lui. Ok, donc attendez, je vais recruter tous les villageois que je peux. Tiens, prends ça là. Voilà, toi t'es à moi. Le villageois qui est là-dedans là. Tiens, prends ça, t'es à moi aussi. Tous les villageois seront bientôt à moi. Toi aussi là, boum, t'es à moi. Ils sont cachés, hein. J'ai juré que ces bâtards. Reviens ici toi. Toi t'es à moi maintenant là. Vous pourrez pas échapper à la vigilance de Ninjax. Vous êtes tous foutus. Hop là, toi tu te réveilles. Tiens, allez, prends ça là. Prends ça, j'ai dit. Tu peux pas m'échapper. Voilà, nickel. Il y en a un derrière. Vite, 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 vite. Reviens ici, arrête de fuir. Tiens, arrête de fuir, j'ai dit. Attendez, je rêve ou ils veulent buter les cochons? Allez-y. Oh, ils veulent tabasser les cochons. Mort, ils viennent de buter les cochons. Pourquoi les pauvres cochons, ils ont rien demandé, wesh. Bon, bah maintenant, j'ai des villageois à mon service. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? J'en ai aucune idée. Tout à l'heure, dans le craft, j'ai vu un truc assez intéressant. J'ai l'impression que c'est une émeraude sombre. Il faut des pioches et tout, mais il faut un machin que je ne connais pas pour le crafter. Donc, on va essayer de découvrir ce qu'il faut, hein. Tout à l'heure, ils ont réussi à péter des arbres, donc attendez, genre, si je leur demande de casser ça, comment je fais? Quelqu'un peut venir casser ça pour moi, s'il vous plaît? Genre toi, là, hé, poteau, prends ça. Là, il veut pas prendre ma hache. Viens m'aider à casser ça, là. Personne m'aide, vous êtes censé être à mon service. Armée de villageois, écoutez-moi, on va dominer le monde. Ok, pour commencer, vous allez péter la gueule à ce golem de mort là-bas, là. Parce que nous, on n'aime pas les golems. Cassez-lui la gueule, allez-y, les villageois, là. Let's go. Ok, c'est pas fini, maintenant, vous explosez cette maison, là. Let's go. Maintenant, vous pétez la gueule à ce creeper. Oh, maintenant, vous cassez la gueule au squelette, là. Ouais. Putain, j'ai une armée de tueurs avec moi, c'est trop bien. Attendez, j'ai pas vu, j'ai eu un truc chelou. Quand je leur ai demandé de buter un des mobs, je pense qu'ils ont droppé ça. Et attendez, c'est ce qui permet de craft le machin. Et c'est exactement ça. On va essayer de le crafter, on va voir ce que c'est. Ok, je l'ai crafté, ça m'a donné un diamant sombre. What the fuck? D'accord, ça a fait des paillettes, c'est super cool. Il y avait des pioches, donc peut-être ça me permet de miner avec eux. Faut que j'aille faire un test. Ok, j'y crois pas trop, mais les villageois, miner. Oh mon dieu. J'y croyais pas, putain de merde. Mais c'est quoi ce délire? Ils ont miné en mode bas les couilles comme ça? C'est quoi ce délire aussi? Pourquoi il me reste que 4 villageois là? Ils sont où le reste là? Non mais attendez, c'est devenu complètement cheaté là, s'ils me permettent de miner comme ça là. Ça m'a trouvé une giga grotte. Mais attendez, putain, ils m'ont fait flipper. Oh non, mon inventaire, il est rempli de cobble. Et ça m'a donné un autre truc encore. J'ai l'impression que les trucs que je drop, c'est pour améliorer mes villageois. Genre en mode là, je les ai améliorés pour qu'ils minent et là, je vais pouvoir faire un autre truc. Ok, je mets les trucs au milieu. Exactement.
Hop là, ils ont appris je sais pas quoi. Je pense qu'ils minent plus vite ou une connerie comme ça. Mais par contre, il faut venir là, les petits potes là. Il y a des mobs. Attendez, je peux pas lui donner une émeraude. Non, il s'en va les couilles. Aidez-moi, fumez-lui sa gueule. Ici, ils lui ont tous foncé dessus pour lui casser sa gueule, ça me fume. Allez-y, tabassez la gueule à tous les mobs. C'est notre terre-terre ici, là. Ils ont réussi à me miner du fer, ça c'est trop bien. Continue à miner, là, j'ai besoin de fer, là. Go, 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 là. Ils minent tellement de plus en plus. C'est totalement cheaté, ça commence à me faire bugger, par contre. Commencez, calmez-vous, là. Qu'est-ce que je suis heureux d'avoir des villageois qui sont là pour me faire tout à ma place, en fait. Ça va, les potes? Vous amusez bien? Bon, je suppose que le prochain craft que je peux faire, c'est avec des pioches de fer. Bingo, j'ai vu juste, mais j'ai pas drop le truc encore. Je pense que je vais le dropper en farmant, en fait. Oh mon dieu, mes villageois, c'est même... Ils repoussent l'eau. Ils défient les lois de la gravité. Oh, bah j'ai eu le truc. Juste là, ça me termine, il était juste à côté de moi. Et wesh, ils bouffent l'eau même, regardez, c'est tellement cheaté. Je vais faire la prochaine amélioration. Ok, j'ai fait la prochaine amélioration. Qu'est-ce que ça m'a donné? Ça m'a donné encore un autre truc. Bon, je suis en train de les améliorer depuis tout à l'heure, mais c'est long et chiant un peu là. Moi, je veux qu'ils tabassent l'Ender Dragon, c'est tout ce que je veux, bordel de merde là. Il court après une chauve-souris, mais c'est quoi ces gros débiles? Ah! Aidez-moi, monde de cons! Mais le pousse pas vers moi! Ah! Je suis mort à cause d'un de mes mobs. Et encore, il court après une putain de chauve-souris. Mais lâchez-la, la chauve-souris. Elle vous a rien fait. Tellement drôle, la regarde. Non, putain, elle s'est fait fumer. Je suis deg. C'est pas grave, on va aller miner des diamants, là. Ça va me changer les idées, je pense. Oh, let's go, il y a du diamant ici. Ça a déjà miné, c'est trop bien. Allez-y, là, cassez ça, là. Ça me termine, comment ils sont en train de péter tous les blocs comme si c'était, bah, je sais pas, moi, Superman. C'est pas des villageois, c'est des Chuck Norris. Je vois pas d'autres explications. Oh, merde, y'a un truc à Warden. À votre avis, ils déboîtent le Warden? Parce que ils m'ont l'air un peu cheaté quand même, hein. Tiens, miner ce diamant là. Genre, moi, j'en suis sûr, ils tabassent le Warden, hein. Mais premier degré, ils le tabassent facile, hein. Déjà, on va crafter la prochaine évolution. Je crois que ça se fait comme ça avec 4 blocs de fer. Et hop, au milieu, ça fonctionne pas, j'ai le seum. Pourquoi la moitié de ce que je fais ne fonctionne jamais? Ok, c'était comme ça. Nickel, j'ai la nouvelle évolution. Maintenant ils peuvent, je sais pas faire quoi. C'est marrant parce qu'à chaque fois ils me disent pas ce qu'ils peuvent faire. Mais il y a tellement de diamants ici, wesh. Genre c'est à moi de découvrir ce qu'ils gagnent. Non, je veux pas, dites le moi, wesh. Et pourquoi il me reste que 2 villageois? Il s'est passé quoi là? Vous avez disparu, vous êtes bouffés entre vous. Oh mon dieu, pour faire la prochaine amélioration il faut tout ça, wesh. Mais ça va me ruiner, moi j'étais content d'être riche là. Mais vas-y, nique, c'est pas grave. Et hop, on met ça au milieu, j'ai la dernière émeraude je pense. Ok, le datapack vient de me dire que ça m'a déverrouillé les guerriers. Je sais pas ce que ça veut dire. Mais vu que c'était un truc avec des épées, bah je pense que maintenant ils se tabassent la gueule. Genre maintenant c'est des vrais warriors. Bon, je suis retourné à la surface à l'aide de mes soldats là. D'ailleurs, je les ai tous retrouvés. Regardez, ils sont tous là, ça me termine. Écoutez-moi, bande de losers là. Maintenant que vous êtes tous revenus, on va aller péter la gueule à Ender Dragon. Ouais. Je pense que là j'ai bien motivé mes troupes. Mais on va faire un truc marrant. Je trouve un village et je bute tout le monde. Allez, let's go. Oh, je viens de trouver un village, que c'est mignon. Je vais le détruire. Ah, mais merde, je suis con, c'était mon premier village. Bon, je vais le détruire quand même. Allez-y, détruisez-moi tout ça. Détruisez tout, bordel de merde là. Je veux qu'il reste plus rien. Archie, anarchie, let's go. La fontaine, boum, y a plus de fontaine. La maison qui vole, boum, y a plus de maison qui vole. Le poteau qui fait de la lumière, boum, y a plus de poteau qui fait de la lumière. En vrai, je me trouve un peu machiavélique. Mais bon, maintenant on va aller tabasser la gueule à Ender Dragon là. Bon, mon petit doigt me dit que c'est juste en dessous. Bah, je vais demander à mes soldats expérimentés de péter en dessous là. Ok, ils sont stupides, ils font que du tout droit. Va m'en charger, hein, bougez pas, et on y va là. Allez, s'il te plaît, trouve l'end, s'il te plaît. Je suis sûr, c'est même pas loin du tout, ça doit être juste à côté. Bah voilà, parfait, faut que j'ouvre ma gueule à chaque fois moi. Alors, maintenant faut que j'arrive à trouver le portail, mais eux ils vont m'aider. Ah, il y a une armée de silverfish, pétez-leur la gueule. Oh, ça pue vraiment la merde, ils sont vraiment beaucoup les silverfish. Allez-y. Vous êtes plus de 4 là. Hop là, la bibliothèque, vous la rasez là, hop. Bon, en vrai, ça doit pas être si compliqué à trouver. Butez les creepers, allez-y là. Le portail est chiant à trouver là, en vrai. Hein. J'aime vraiment pas. Hein. Il y a 1 milliard de silverfish en plus, ça met. Oh, il est juste là. J'ai vu. Oh putain. Oh, j'en ai marre des silverfish. Mon armée, bougez-vous le cul là, venez là. Bon, ok, j'ai failli mourir, mais je suis en vie. C'est l'importance. Nickel. Bon, on a trouvé le portail. On va utiliser les yeux et on va aller péter la gueule à Ender Dragon. Let's go. Ah merde, personne m'a suivi. Oh, je suis pas dans la merde là. Je me sens un peu con tout seul maintenant. Bon, j'ai un villageois qui m'a suivi. On doit affronter un dragon tueur. Vas-y, vas-y, casse-lui sa gueule. Ouais, c'est super cool. Putain de merde, qu'est-ce que je vais faire avec lui? bouge pas, je vais te multiplier. Ouais, là, j'ai une armée digne de ce nom et mon PC est en train de ramer de ouf. Ah bah j'ai crash. Et bah ça fait une super fin de vidéo ça, non? Ma money donc jiggle, it fold, I like to see you wiggle, for sure, if make me want to invite you, you know, why did my Fiat, we have Fiat, 6 feet 2 in a compact.